Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, petite vidéo de vente. Donc voilà, je vends mon Gorgon. Donc je vais faire de la place parce que ben, vous voyez déjà, les étagères sont bien pleines. Ben, le remplaçant arrive. Donc voilà, je vais le vendre. Donc pour petit rappel, donc, il a la première carrosserie incassable Elsass Body RC. Donc, elle est un tout petit peu plus courte que les nouvelles qu'ils ont maintenant. Donc, c'est pour ça que j'avais inversé un support dedans. Mais franchement, elle est hyper costaud. Je lui ai déjà donné. Moi, je l'ai emmené que au skatepark. Donc, je ne l'ai pas trop ménagé. J'ai pas fait beaucoup de packs avec. J'ai deux packs en charbon et trois packs en brushless. Parce que pour petit rappel, j'avais cassé le sauve-cerveau. Donc le temps qu'il soit dispo et tout, c'était assez long. Donc j'ai vraiment pas beaucoup roulé avec. Et voilà. Il faut que je fasse de la place. Vu que le nouveau arrive, ben il va devoir me quitter. Donc on va juste. Voilà. Mince. Ça va pas le faire dans le câble du ventilo. Donc voilà la carrosserie incassable. Voilà. Hein. Alors, on se retrouve donc avec un petit. Donc, c'est un rebadge de Hobby Wing en 80 ampères. Donc, il peut prendre 2-4S. Ouais, 2-4S. C'est un WP SC8. Voilà. On a un moteur, donc que je dise pas de bêtises, en 3200 kW. Donc, c'est le Spectrum, donc 36-60. Voilà, j'avais remis celui-là pour qu'il puisse dépasser un petit peu et être tranquille. J'ai laissé le rapport de réduction d'origine. Je pourrais plus dire maintenant le pignon, mais voilà, c'est vraiment le rapport d'origine. C'est pas, il n'est pas d'une violence extrême. Franchement, celui qui a envie d'aller vraiment beaucoup plus vite, il pourra changer le pignon, il n'y aura pas de souci. Moi, j'avais gardé le rapport de démultiplication d'origine du Gorgon, donc sauf que je suis passé en brushless. Voilà. J'ai mis un ventilo Rocket sur le dessus. Vous allez voir, ça dépote. Comme ça, vous êtes tranquille, il n'y aura pas de souci de chauffe. Voilà, là, il y a une boîte radio. Bonne question, je ne sais plus. Yikong, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je suis plus sûr. Donc, avec une petite rallonge pour le ventilo, les câbles sont attachés. Elle est collée au double face. Franchement, normalement, ça tient. C'est un double face assez costaud. Donc, voilà. Il sera fourni avec une lipo Genseis 5000. Voilà, en soft case. Hein. Elle rentre pile poil et on est en EC5, en connecteur. Donc si maintenant, vraiment, celui qui veut me l'acheter, il veut du XT90, dites-le moi, ça sera vite changé. Et j'ai encore au pire, aussi en lipo, j'ai des Genseis en 5000, en XT90, donc il n'y a pas de souci. Alors, la radio, par contre, c'est pas une Arma, c'est une... Une Corali, vario propre. Elles sont vraiment pas trop mal pour l'utilité. Donc, le cerveau d'origine, il a quand même encore une bonne rapidité. Donc le sauve-cerveau est neuf. Hein. Donc voilà. Hop. Voilà. J'ai vraiment pas abusé dans la violence. Bon, en plus, je sais pas si la lipo là, elle est pas en coupure. Elle doit être en storage celle-là, donc on n'aura pas beaucoup de pêche. Mais voilà, je voulais pas abuser. Vous pouvez largement mettre plus. Il n'y a pas de problème. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Sur la machine en elle-même, pas grand-chose. J'avais pas mis de mousse dans les roues. J'avais prévu de le faire, mais bon, vu que je le vends, je n'ai pas cherché. Mais. Je fournis quelques pièces en plus parce que la couronne a un tout petit peu été marquée. Donc voilà, je vends une couronne neuve d'origine, donc avec le patin de slipper. Et vu que je lui ai déjà donné un petit peu sur les skateparks, il y a quelques plastiques, donc toutes les pièces d'usure en bleu. Voilà, et ne pas oublier, donc il y a encore la carrosserie d'origine. Elle est quasiment neuve. Elle est un petit peu cassée devant,
Là, on verra pas. On va sortir. Donc voilà, elle est juste derrière la calandre. Elle est fissurée là. Si vous voulez l'utiliser, c'est vite remis un morceau de scotch derrière ou du chogu ou autre chose. Et comme ça, vous serez tranquille. J'ai très vite roulé avec, avec la carrosserie du incassable. Et surtout, vu que dès que j'avais cassé mon sauve-cerveau, j'avais enlevé à Elsass Body RC ma carreau. Donc j'ai encore roulé une fois après, le temps qu'il me le renvoyait, le temps que moi je fasse le montage de l'incassable. Mais voilà. Donc elle est aussi un petit peu abîmée là. Pour l'instant, elle est complète. Et là, donc, il y a les plastiques, il y a la calandre. Il y a la plaque d'immatriculation, il y a le dessus du capot, voilà, vous avez tout. Donc voilà, avec donc, le... à chaque fois je veux dire le Grom, mais non, c'est le Gorgon. Donc avec la Lipo 5, 3S 5000, et la radio complète, donc en brushless, je en demande 220 € plus la livraison. Donc voilà, je pense que le tarif est correct. Lui, il y en a qui vont dire que voilà, il n'y a pas. Bah, le tarif est correct. Voilà, on va dire ça. Je pense que le tarif est correct par rapport à la machine, au combo brushless, à la carrosserie incassable, quelques pièces en plus. Voilà, c'est vraiment pas pour me faire de l'argent. Donc voilà. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.